Salut, salut! Bah écoutez, nous revoilà. Pour la deuxième partie de The Walking Dead Survival Instinct. Donc là, il s'agit donc d'une mission que je voulais vous montrer, tout simplement. Donc là. Les mecs là, donc les survivants, donc de toute façon on peut les laisser au véhicule comme on peut les laisser chercher des vivres quoi. Bon, lui ça sert à rien que je m'en occupe. Parce que bon bref, il sera plus là après. Lui je préfère le garder parce que je vous conseille de garder les survivants et de les laisser au véhicule parce que ça vous permet de, mine de rien, de bien... d'avoir débloqué des reliques à la fin du jeu. Il faut reconnaître que c'est très pratique pour ça. Tout simplement. Donc on lance, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une munition de pistolet. Une munition de pistolet. Tac. Ouais, on va garder. Ouais, on va garder ça. Ouais, ça va suffire tout ça. Ok. Voilà. Jess, où tu vas? Voilà. Donc, on doit fouiller le commissariat de police. On doit fouiller le commissariat, trouver le shérif, lui parler, faire ce qu'il lui dit, on aura des objectifs à faire. Après, on ira au motel. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, vous pouvez constater que graphiquement, bon, je joue sur PC, hein, avec une manette 360. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le jeu il est donc sorti en mars 2013 sur 360, PS3, Wii U et PC. Oui, vous pouvez constater que. C'est pas forcément terrible quand même, mais. Tiens, par exemple, je m'avance de la télé ou de la cafetière qui est là avec les gobelets à café, c'est pas. Voilà. Bon, graphiquement, c'est pas terrible. On s'en fout, cela dit. Alors, là, ici, je sais qu'ils bougeront pas, mais méfiez-vous, en général, les rôdeurs qui sont comme ça, assis contre un mur. Moi, au début, je leur ai mis soit une balle dans la tête, soit un coup de. Un coup, genre. Comme ça, quoi. Ou alors, tiens, il y a un truc qui est pas mal, c'est. Ça, cette espèce de petite arme contondante. Au premier coup, tu frappes et le deuxième coup, tu lui arraches la tête. Et ça, c'est vraiment très sympa. Donc là, ils bougeront pas non plus. Là, t'as un connard. Et c'est scripté, hein. Vous avez vu, j'ai essayé de courir, mais c'est scripté. Il nous rattrape. Il n'y a rien à faire de toute façon. Y a rien à faire. Honnêtement, il y a rien à faire. On peut pas faire autrement de toute façon. Tu vas s'amuser, on va aller voir les. Vous avez vu? La tête explosée au deuxième coup. Ah, c'est marrant. Ouais, fusil de détresse, ouais, bon.
C'est pareil, fusil de détresse, c'est comme les bouteilles. Comme les bouteilles de. Comment? Ah ouais, l'essence, ouais. Faut récupérer de l'essence quand même, bon, ça peut être utile. Hein. Voilà. Bon, c'est un jeu qui vous allez jamais manquer d'essence. Jamais, jamais, jamais. Par contre, vous allez manquer en général de vivres. Les munitions, pas trop encore, quoi, surtout qu'il faut quand même gérer, pas tirer comme un dingue. Hein. Non, mais par contre, l'essence, c'est abusé quand même. Je trouve qu'ils ont abusé, honnêtement. Hein. Honnêtement, ils ont trop abusé. C'est pas. Ah, c'est bien ça. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est que l'essence, finalement, on en a encore. Donc, en fait, on va déposer ça. On va récupérer le grenade. Parce que, franchement, dans le jeu, ça manque les grenades. On s'en sort pas forcément, mais. Et finalement, c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais. Bon, après, voilà. Je trouve que c'est un peu con, quoi. Je trouve que c'est un peu con qu'il n'y en ait pas plus. C'est un FPS, il y a des armes à feu. Bon, après, les grenades, c'est vrai que ce serait. C'est pas très crédible, quoi. Parce que. Hey, connard, tu viens? Bon, je pourrais lui balancer une flèche de. Quoi que si je vais le faire. Je pourrais vous montrer, lui balancer une flèche donc d'arbalète. Bon après vous la pouvez pas la récupérer. Normalement en fonction de comment il tombe, je peux pas la récupérer. Voilà, vous voyez, on peut pas la récupérer parce qu'à cause des barreaux. Ça c'est quoi ça? Ouais. Donc là, le shérif va nous donner des indications. Voilà. Hey, you need him. Give me description. You've been a moat watch yourself. Donc là, on doit trouver un nouveau véhicule, fouiller le motel pour trouver l'adjoint. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que le jeu, bon, graphiquement, il est laid, mais il est d'un autre côté, comme je me répète, mais il a une excellente ambiance. Les bruitages de la musique est très très sympa, c'est bien rendu, le jeu est vraiment marrant, mine de rien, les skins les skins des rôdeurs, des zombies, c'est quasiment tous les mêmes. Mais d'un autre côté, enfin je sais pas, ils ont tellement des gueules marrantes, ils me font rire quoi. L'intelligence artificielle des zombies, justement, elle est complètement. Bah, à la fois elle est toute conne, mais elle est vraiment toute conne, mais vraiment. C'est pas très bien travaillé, puis en même temps, je trouve que c'est pas grave. C'est pas grave parce que les zombies ils ont pas bac plus 10, et puis de toute façon, non, mais c'est vrai qu'ils puissent se comporter n'importe comment. Un zombie, c'est con quoi, et ça a plus rien dans la tête, c'est complètement con. On s'en fout, je comprends pas qu'on ait pu juger ça lors d'un test. C'est quand même normal de défendre le jeu par rapport à ça. Je trouve ça normal, moi. Je sais pas, mais. C'est complètement dingue. Genre pour protéger le shérif, tu sais, je ferme. Mais bon. Check on them. You can have one of the RMPs. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis quand même. Oh, je sais qu'il y a des caisses de munitions. Ça c'est en fait pour la manette pour le PC, je crois que c'est un clic sur la molette pour faire ça.
qui sert aussi donc à faire ça. C'est le bouton RB pour la manette 360. Voilà. Donc après, là, je vais plutôt faire ça accroupi, parce qu'il y en a un autre à côté. Donc c'est vrai que c'est vilain, quoi. Bon. C'est vrai que c'est un peu vilain, mais bon, c'est comme ça. Après... j'ai pas le machin là. Ah ouais, fais voir ça. C'est marrant, ça. Pas mal hein, leur façon de réexploser la gueule quand même, ça c'est bon ça. Voilà, moi j'aime trop ça. Petites armes contendantes comme ça. Voilà. Tu dépenses pas de balles en plus, pas de munitions. Là. Bon bah là j'ai fait le con, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai fait n'importe quoi. Mais bon voilà, c'était pour... Normalement j'ai descendu sur le capot, mais c'est un truc à pas faire. C'est vraiment un truc à pas faire du tout, ça. Tu vas déjà la choisir. C'est un truc à pas faire ça. Il faut pas, il faut rester sur le toit de la voiture, mais pas redescendre sur le capot avant. Et c'est pourtant, et c'est une connerie justement que j'ai faite. D'habitude je fais pas, puis là je me suis dit allez, c'est bon, il reste plus que deux, mais non, j'avais oublié que il y en avait un encore derrière. Ouais, ouais. Bah comme ça, ça vous permet de voir comment on meurt dans le jeu. Hein. Vous voyez, hein, ça casse pas. Trois pattes à un canard. Bon, en même temps, je sais pas pourquoi. The only other place your uncle could have gone is a motel across the way. A couple of my deputies supposed to be there, but I haven't heard from them. De toute façon, je vais pas montrer toute la mission parce que bon, elle est pas longue, mais je sais pas. All full up. C'est vrai? Non, 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 non. Ah ouais, ouais, bah oui. 15 minutes. Pas dit que. Ouais, la fusée de détresse. Justement, on va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne, ça. Ah. Alors l'avantage, c'est que même si on tient quelque chose dans sa main, on peut quand même les tuer au couteau, en face furtive. Heureusement, vous allez me dire... Voilà. Voilà. Normalement, ça doit les attirer là-bas. Je dis bien normalement, hein. Et c'est là que toi, comme t'es un gros psychopathe, bah tu balances une grenade, quoi. Je veux dire. Voilà. Parce que c'est marrant. Tout simplement. Et t'as pu exploser pas mal de... Voilà. Oh putain les gars, attention, ça rigole plus là. Voilà. Bah bien sûr. Ah bah qu'est-ce que tu crois? Dis donc, Jean-Jacques, t'es peut-être pas obligé de ramener André avec toi. On est déjà assez nombreux à la fête. Hein. Ah ben. Non, mais les gars, mais faut pas non plus déconner, là. Bon, les gars, vous me laissez enclencher mon arme, quand même. Alors, parce qu'on t'a pas compte la machette avancée. On est obligé de la choisir comme ça. Ah.
Ah, je vis très mal. Je veux voir des têtes giclées, bordel de merde, Jean-Louis. Tiens, Thérèse. Voilà. Bah, dis donc, tiens, Jean-Claude. Voilà. Tiens, Barnabé. Voilà, tiens. Et il y a des bras qui volent en plus. Non, mais c'est pas possible, mais vous y croyez, vous? Ah là là. Ça tombe bien, je voulais me faire un barbecue. Oh putain, je risque d'être contaminé avec ces conneries, moi. Putain, vous avez l'air con, les gars, mais c'est pas vrai, ça. Pourquoi je fais ça, moi? Donc, on a la vue à Runsight aussi. Les armes se manient plutôt pas mal. Vous avez vu les armes contendantes que je viens d'utiliser en... Normalement, quand on vise bien, hein, parce que là, bon, j'étais un peu haut, mais... En deux coups, c'est fait. Par contre, botte de baseball, marteau... Honnêtement, marteau, tout ça, ça pète les couilles, quoi. Marteau, botte de baseball, j'aime pas trop. Non, mais bon, après, ça a le mérite quand même d'exister, hein. Ah, mais Daniel, t'es... S'il te plaît, quoi. Ah bah oui, t'as mal. Ah, bien sûr que t'as mal. Et t'as plus de bras, Jacqueline. Bah oui, bah je sais bien ça, bah bien sûr. Oh, oh là, oh, t'as... Oh, oh bah alors là. Voilà, quoi. Non, mais ce jeu, je me suis tout le temps éclaté dessus. Moi, j'aime bien, quoi. J'aime bien. Salut. Oh, bah. Non, pas ça. Ouais, si tu veux. Voilà, bon petit jeu que je mettrais bien, moi, je sais pas, les 12, 12, 13, je donnerais pas beaucoup plus, quoi, mais voilà, c'est un jeu que j'ai bien aimé, je me suis bien amusé avec, bon, il est pas beau, donc ça fait pas mal descendre la note, il y a des bugs. Ah, mais t'arrêterais de gueuler aussi. Ah, attends, deux secondes, ouais. Ouais. Voilà. Et... Pff, ouais, foire. Fusil à pompe, ouais. Moi, je voulais... Fusil à pompe, je voulais montrer, je crois, dans... Oh, merde. C'est con, je voulais te foutre un coup de couteau dans la tête. Mais bon, c'est sûr, c'était accompagné de Janine et puis Liliane. Là, ça va pas le faire. Hein. Non, non, non. Mais arrêtez un peu sans déconner. Tiens. Mais vous êtes où? Ah, bah celle qui était là-bas, elle est venue. Ok. Voilà. Bon, alors le truc qui est pas mal, c'est que... Voilà. Tac. Ça, c'est bien.
Donc voyez, on peut récupérer ces munitions de les carreaux de. Bon, comme quoi il n'y a pas de physique parce que. Vous voyez, on peut même pas exploser les trucs là. Un peu dommage. Putain, je sais même plus où il est, tiens, j'arrive pas à le récupérer. Non mais je veux dire, c'est. Tiens, c'est marrant, on va s'amuser avec ça là. Allez, tiens, parti. C'est passé. Ah voilà. Et voilà. Ah, c'est amusant quoi. Et voilà quoi. Ah, j'adore. J'adore massacrer des zombies. Voilà. Oh mais c'est vrai que c'est sympa. Seconde en fait. Je suis en train de me dire. Eh non, ça va pas ça. Tapalapapa, c'est un petit jeu, un petit jeu, un petit jeu à faire. Moi je dis quand même, c'est. Non, faut le faire. C'est un petit jeu à faire quand même. Donc là, ça c'est bon, trouver l'agent, trouver un nouveau véhicule. Donc en fait, il suffit de retourner au commissariat et puis tout simplement quoi. Et puis après, on parle au shérif, après on ressort et puis on a un script et on récupère le véhicule automatiquement. Voilà, juste comme ça pour que vous sachiez. Donc après, voilà, c'est juste comme ça, faut le savoir. Ça c'est le plus sympa. Après faut reconnaître. T'as mal toi hein? Pas beau ça quand même. Petite tête coupée qui vole. C'est quand même pas beau ça. Bon on peut pas s'amuser avec mais. Sympa. Normalement, j'aurais dû continuer. Oh, si je vise pas correctement. Normalement, j'aurais dû arrêter la vidéo là, mais. Bah voilà, comme ça vous verrez le QTE. Bon, quand il y en a plusieurs, par contre, c'est vraiment la merde. Hein. Cette espèce de QTE, personnellement, j'aime pas trop quoi. Voilà quoi. Je suis pas obligé, mais je le fais quand même. Vous voyez quand même ce qui est dommage c'est que ça passe dans le mur quoi, c'est
C'est vraiment ballot, quoi. Juste pour le fun, on va quand même. Juste pour le fun, on va quand même aller parler au shérif, quoi, mais. Et bon, hein, voilà, quoi. You find anything? Ah là, donc j'y passe, hein, parce que bon. Voilà, donc là, en fait, on doit juste sortir. On doit juste sortir, tout simplement, quoi. Ça, on a plus de trucs comme ça, là. On site, elle est quand même pas mal. Voilà, j'irai pas plus loin parce qu'il y a le script. Et voilà. Et bah écoutez, bah je vous remercie de m'avoir suivi pour toute la vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ça sera du rétro ou un ancien. Du rétro ou un jeu un peu plus récent. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt sur la chaîne.